un héliotrope. Héliotrope, héliotrope. Le mieux, c'est quand même le mode feu, je pense. J'ai quand même des grosses lignes de résine, mais je pense pas que ce soit dans les éléments de l'hélio. Mais quand même. En plus, la map, elle est très grande. Le problème, c'est que la map, elle est très grande et qu'il va peut-être me faire du retrait, et c'est le mode où j'ai le plus de résistance au retrait. Donc je pense que, pour le coup, la Pritech, elle vaut le coup, parce que sinon, il va me péter la tronche. Mais qu'il me faut quand même la projection. Par contre, le pack de sang, je suis pas sûr, hein. Là, il va me falloir de quoi bouger et pouvoir TP, donc libation. La folie sanguinaire non plus. Intéressant, même s'il érode pas. Ah, remarque. Il érode pas du tout, du coup. Donc folie sanguinaire, quand même. Parti, hein. Alors, il est quoi? Il est pas air, déjà. 4800 HP. Il est feu? Avec, vu la récré, il est feu, non? Salut Pharo, comment tu vas? Let's go back. Oui, mon loulou va mieux. Oh! Il veut se prendre des tartines, lui. Il veut se faire beurrer. Avance un petit peu. Je vais garder ça comme. Donc par contre, moi j'ai plus d'odorat et plus de goût, hein, depuis mon Covid. Je pensais que c'était un peu des couilles, des gens qui disaient ouais, j'ai plus d'odorat, plus de machin et tout après le Covid. Les gars, non. Moi pour l'instant là, je serais même pas capable de sentir un trou de balle s'il serait posé devant mon nez. Hein. Honnêtement. Hein. Et il va m'exploser l'héliotrope. Je pense que je m'avance trop déjà. Il va réussir à mettre un portail. Ah oui, comme ça. Il peut aller où il veut et mettre en diago maintenant. Ouais, c'est rare de me voir en PvP, mais ça ne sera plus le cas maintenant. Je vais faire que du PvP. En vrai, contre un héliotrope, ça serait quoi le bon mode? Est-ce que je dois déjà invoquer tout le temps des trucs? Je pense, hein, le temps qu'il y a la Pritech, c'est pas trop mal. Le 3 par exemple, c'est bien de le faire. Son ivoire, il proc maintenant, donc du coup, le mieux c'est de mettre un bon gros coup de cac. Et là, une petite folie là-dessus, c'est pas trop mal, hein. Emma. Off. Oh, je vais garder la folie un peu en vie pour l'instant. Hop là. Il a un match-up positif, tu penses? À cause de la map? Surprise, Covid s'est invité. Épitaphe, ouais. Salut DNK Team. Ok. Ouais. Bon, jusque-là, c'est pas très dérangeant. Son portail 1, il est là. Si je dash avec riposte, je peux réussir à faire un truc du style.
Là, pour qu'il réussisse à me mettre dans un de ses portails, il va falloir cramer du PA. Hein. Ah, il a pas besoin du coup, je suis bête. Pensez qu'il me tue. En vrai, je suis... Un tour 5, il joue nébuleux? Non. Par contre, ouais, il y a peut-être moyen qu'il me tue. Est-ce que son parasite proc début ou fin de tour? J'ai pas vu. Est-ce que je vais faire 100 colis par jour? Salut Yumi. Bah, tu sais, je fais pas du colis farm, moi. Hein. Je fais pas du colis 199. Ou 100 colis par jour, je sais pas si c'est possible. C'est fin de tour. Merci, les gars. Donc, ça veut dire que mon libation, il proquerait peut-être avant. Il y a des chances que mon libation proc avant, du coup. Qu'est-ce que je fais? Parce que là, j'ai une belle zone folie, mais je l'ai pas. Soit je fais une zone là-bas et je fais une hécatombe pour me soin bien. Soit je bloque le portail. Ah, c'est mieux de bloquer. Hein. Là, c'est le portail 1, c'est pas très chiant. On va mettre le portail là. Si jamais je vous bloque la scène avec la... Ah bah voilà. J'avais une scène vertie. Pas sûr de la qualité de la scène. Waouh, elle est énorme la caméra. Pourquoi c'est comme ça? Toujours plus gros, hein. Il joue trop vite, le monsieur. J'ai pas le temps de changer ma cam. Cam. Oh là là, c'est quoi ça? Ok, bah on va faire autrement. Ah, c'est à moi. Oh shit. Je suis désolé, je sais pas si j'ai bien joué en vrai, parce que j'ai vraiment joué en mode il faut que je tape. Tu vois. Ah, ça va peut-être gêner quand même. Je vais quand même fermer là, parce que s'il traverse, il se retourne tout en bas, c'est un peu chiant. Ou du moins, il pourrait m'emmener en bas, et ça, c'est un peu chiant. Je préfère qu'il enlève son portail en le remettant. Il n'y a pas de CC pour le parasite, mais je crois qu'ils ont, changé un truc sur le parasite, justement, comme quoi quand tu CC sur ton lancer parasite, le parasite lui-même, après, il est en dégâts CC. Mais il proc pas en CC, mais il est en dégâts CC, comme pour un poison du SRAM. Poison insidieux. Si tu crites sur le poison, bah les poisons après sont en dégâts crit, tu vois. Je peux remettre la scène. Ah, il est en train de se full soin, le monsieur, là. Moi, si je vais là... Je peux utiliser ses portails, mais est-ce que ça vaut le coup, genre? Et si je le pousse comme ça... Pas sûr que ça vaille le coup, en vrai. Je vais voir si je fais ça, genre. Merde, je me suis mis devant ces portails. Après, je me suis bien soin, mais... De toute façon, hécatombe, c'est jouer un héliotrope, j'hécatombe. Je sais pas s'il y a un tour où j'ai oublié d'hécatombe. Salut Jogaba, comment tu vas? Ah la vache, la redis. Est-ce que je suis mort? Ah non, non, non. Et en dessous, ah je suis à 50% là, ça y est, ça va taper moins fort. Ouh, j'ai rien dit. Toi, tu peux aller fermer ce portail là, qui est le portail numéro 1, ça sert à rien. Toi t'es le portail 2 et toi t'es le portail 4. Ton ivoire à lui, il est dans deux attaques, donc on va faire un hécatombe. Coup de cac. On se met comme ça. Donc je me suis fait soin et en même temps j'ai repris 425, donc ça va, j'ai quand même pris un soin. Un jour j'espère que Dofus, en Kama, arriveront à faire un truc par rapport à l'ATH qu'on doit tout le temps bouger en fonction du fight. Tu vois, là, par exemple, toute la partie supérieure de la map, on aimerait bien pouvoir cliquer et déplacer, genre. Plutôt que de déplacer la TH. Il va commencer à fuir. Après, moi, je peux remettre une épée sur son portail, là.
si je vais là. Faudrait que je bloque là, mais si je vais là, ça va peut-être lui permettre de me taper quand même. Alors à la limite, ce que je peux faire, c'est que je vais hécatombe quand même. Et comme je suis pas serein par rapport à ce qu'il peut fournir. Comme ça, je vais monter ça. Tour d'avant, je pense qu'il a lâché une paume à 860. Ah ouais, c'est à mon avis, c'est que j'avais oublié d'hécatombe là. Pense à pilori de temps en temps, ça l'empêche de te dégager. Voilà, pour le coup, je voulais pilori pour les dégâts. Je me suis dit que 10% de distance en moins, c'est quand même mieux que je mette 1200 de shield. Mais c'est vrai que le pilori pour éviter d'être dégagé, c'est pas mal. Il arrive à avoir une redite tout le temps, en tout cas. Alors, il faut que je... GG. Bah nickel. Ça me fait plaisir. Un beau match ça aussi.